Juste avant, on a remercié le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, avec le ministre de la Justice, là, qui a placé confiance en nous pour mettre nous, comme commissaire gouvernement, dans le paquet de Port-au-Prince. Et avant tout, dans quatre missions gouvernement gagné pour mener le pays, ensemble avec tout acteur concerné. Et je dis en paquet de Port-au-Prince, trouver que l'innécessaire pour prononcer sur certains problèmes que la société a traversé et qui permettre que nous lancer le travail que nous avons pour nous faire de concert avec acteurs dans l'appareil judiciaire, avec l'autre acteur qui a permettre que le pays a l'icône de jour qui meilleur. Et dans ce sens, l'intervention par nous matin, il va chuter sur trois axes. Premièrement, c'est sur la question de sécurité. Deuxièmement, c'est sur la question de détention préventive prolongée. Et en dernier lieu, c'est la question de présence parquet dans tout siège qui a fait dans le tribunal. La question de sécurité, nous connaissons un problème tout le monde lié. Quel que soit le monde lié à la victime, et pas de crasse possibilité au monde de sortir dans la rue ou pas de victime de l'insécurité. Parce qu'à travers toute juridiction, nous avons une question de sécurité a commencé à prendre un essor considérable. Et dans ce sens, le parquet, lui-même, lui offre tête li, et lui annonce avec la police que la porte balle tout support possible pour permettre la police, dans le cadre de travail que l'a fait, pour traquer les bandits, pour intervenir les lits nécessaires. De façon à ce que nous essayions de réduire la question de sécurité et qui c'est un grand cancer pour la société aujourd'hui. Et nous comprendre que aujourd'hui, à chaque fois que le déplacement qu'a fait, on a posé cette question, est-ce que vous ne pas victime par rapport avec des actes bandits à poser, par rapport avec des armes qui ont circulé dans la société. Et aujourd'hui, un paquet, il a annoncé avec la police, quelle que soit la situation, li avèl et la prendre tout support possible de façon à ce que pour yo traquer bandi yo et si possibilité si nécessaire mener par devant la justice pour prononcer sous décision et sous peine que yo mérité et n'a prononcé aussi sous question gaz qu'a vendre dans la rue yo et nous pensons problème ça de nos jours li vinn un problème pour société ya. Et si n'a prend exemple Tigouave côté que gain possibilité nous ouais côté que mon a brûlé, quand a brûlé, n'a annoncé jeudi avec tout le monde qui a vendu gaz dans la rue. Yo. D'ici lundi prochain, quel que soit le monde nous joignent, qui a vendu gaz dans la rue, n'a bail la police l'ordre, moun sa yo prend gaz yo, s'il faut mener devant le tribunal, mener devant le tribunal. Parce que automatiquement, nous annonçons ça, à partir de mardi si Dieu veut, n'a sorti dans la rue avec la police et permanence parquet, n'a marché. Chercher tout le monde qui a vendu gaz dans la rue pour nous demander à ce que le problème ça lui suspende la société. Et nous avons annoncé aussi avec question médias, avec essence, pour qu'il y ait vendu gaz. Et nous avons souhaité que le monde qui est propriétaire de gaz ne puisse pas vendre le gaz dans la rue, dans le galon encore. Et nous pensons que il y a un monde qui a toujours une possibilité pour un monde d'acheter un galon de gaz pour mettre une génératrice. Ça ne peut pas écarter la possibilité de ça. Mais quand il s'agit, on a vu avec 10 gallons, 15 gallons, 20 gallons, non pas. Les campes, les pètes, tout gallon ça, et puis là, le vent de gaz là, à travers toute la rue, la vent de gaz, ça nous demande à ce que tout le monde suspende avec pratique ça. Parce que pas qu'il n'y a pas prendre galéo comme ça. Et en plus, nous avons l'autre question encore, c'est la question de tout le monde que nous jouons qui n'a club dans la nuit. Ça a quelques jours que nous visitons quelques clubs. Nous, les deux parents, prennent le plaisir, prennent le club avec Timoun, aller en piscine avec Timoun. Côté que nous avons fumé, nous avons éclairé, nous demandons à ce que les parents, Timoun, qui est la caille, nous. Bon, le Timoun doit sortir, c'est pour nous que Timoun la caille, nous, de façon à ce que pour construire la moralité de Timoun. Côté que les parents ont bien en piscine, Timoun a circulé, beaucoup de piscine, mon a fumé, mon a bu éclairé, ça nous parle que pratique ça la société a. Yon parent qui ont petit moun ouvre sorti avec elle, matin sorti avec elle, on leur qui pas dit, on leur dit ou entrer avec elle. Et ça nous voulons mettre en face sur ça
pour permettre à ce que la société allait reprendre forme, pour l'ordre social allait retourner encore, de manière à ce que la société noire ait le visage que le droit bail là, j'ai que le droit y est avant. Et nous avons un problème de question de détention préventive prolongée. Et nous tous connaissons que le problème, ça, c'est un cancer, c'est un gros problème dans la question de justice. La détention préventive prolongée, nous-mêmes dans le parquet, l'un des substituts, nous avons une responsabilité, nous avons coordonné une cellule dans la question de détention préventive prolongée. Et à partir du moment que nous venons au parquet, nous pensons que le problème, ça, faut nous porter une solution. Même si la solution n'est pas venue de façon grandiose, mais nous devons porter une solution de façon à ce que nous réduisons la quantité de monde qui est en prison qui peut vous juger et de monde qui est en prison qui a un dossier dans la cabinet d'instruction qui n'a pas avancé. Et je dis à travers les cellules que nous mettons ensemble avec les substituts, nous prenons le travail sur le dossier ça et pour nous porter un résultat qui plus ou moins satisfaisant de manière à ce que la société a ligué en souffle. Parce que ça fait longtemps qu'il y a plus de monde qui est en prison qui n'a pas juger. En pile nous la prison, je ne vais pas attendre. En pile nous la prison, cabinet de destruction, pas attendre. Parquet a lui même livré porté une solution dans ce sens. Et c'est peut-être ça. Parquet a créé, dans le parquet, a gagné une cellule qui a l'écoute des détenus, qui a un numéro de téléphone qui c'est 31 12 55 10, qui a une cellule qui a attendu doléances par un monde qui gagne monde en prison, qui gagne dossier soit cabinet d'instruction, qui gagne dossier soit qui non correctionnel, et pour nous avancer. Et dans le même cadre de travail, ça, nous pourrons faire recruter 10 jeunes dans la faculté de droit, qui ont dans le centre d'appel ça, et qui prennent information, qui prennent doléances. À partir de doléances que vous prenez, ils transmettent avec cellules qui a l'écoute des détenus, et pour permettre par qui a lui-même de faire de suivi possible pour les gens qui sont en prison, qui sont capables, qui ont une liberté, soit peut-être yo jugé bon sous peine, yo, et de façon à ce que pour problème justice, ça lui-même résoudre. Et nous avons souhaité aussi, dans le cadre de travail, ça, dans le cadre de travail, ça, il y a un ensemble de dossiers qui sont des dossiers criminels que nous pouvons intervenir là-dedans. Tel que dossier Neti, dossier Diego Chal, dossier Batounet d'Orval. Nous pourrons aller morder et chercher qu'on est dans qui et cadre dossier ça yo, dans qui phase dossier ça yo, de façon à ce que pour avancer et pour société à lui-même, li wè que gen on justice qui a prononcé, bon justice qui a marché et bon justice qui voulait pas les résultats. Et c'est dans ce sens ça, matin, nous rencontrons avec la presse, nous avons l'autre problème encore. Qui c'est problème et présence parquet dans le siège yo. Nous pensons que désormais, parquet prend dans tout siège que nous connaissons qui est dans le tribunal. Là. Surtout siège qui a un rapport avec la question habeas corpus. Parquet, à travers la cellule qui est formée, qui pour porter solution pour aller dans la question habeas corpus, nous pensons que il y a un commissaire qui est disponible pour ça. Quelle que soit l'action en habeas corpus, parquet à présent, chaque moment, ça m'a délit. Et c'est ça qui va permettre à ce que il y ait des dossiers qui doivent déclasser, il y a des dossiers qui doivent avancer, comme ça tout, il y a des dossiers qui doivent classer dans le tribunal là avec parquet. Et encore une fois, nous disons merci avec la presse qui fait déplacement, qui vient présenter matin dans le parquet, dans quatre conférences de presse que le parquet a décidé de faire matin, à travers un ensemble de problèmes que justice là, société a traverser et puis pour nous comment de concert avec la police, de concert avec le tribunal là, pour nous créer une harmonisation, pour nous créer une synergie, pour nous voir une réponse satisfaisante avec le monde qui a demandé à ce que justice là lui reprenne forme, lui permet à ce que le monde qui est en prison yo jugé, le monde qui doit dossier de avancer pour avancer. Et c'est comme ça nous pensons que la société a râler en souffle. Et sous ça que le préal aléa à permettre que, ou même je dis à qui sont citoyens, soit qui ont un cousin, qui ont un frère, qui est en prison, ou au moins capable qu'on ait que qui ont un système qui a avancé, un système qui a marché. Et nous remercions aujourd'hui,
Et merci pour présence nous. Merci avec et amis nous et Vladimir et qui t'a coordonné et intervention ça pour nous. Merci beaucoup. Non, c'est pas bon. Notre discussion pour moi qui gagne question pour la pensée. La pensée question pour moi surtout qui gagne une question pour le commissaire. Donc il y a une question. Donc il y a une question. Est-ce que le commissaire ça qui gagne à la sous-exploitation, combien de boulot il y a là-dedans, et puis tous les groupes servent de travail vendredi avec ce situé, est-ce qu'on peut avoir nos détails sur le détail? Et commission qui est partie à ce question de détention préventive prolongée, il y a 11 personnes. Et 11 commissaires, nous avons deux missions qui sont spécifiques à travers la question de détention préventive. Nous avons pour faire du suivi dans le dossier qui est acquis en souffrance. Deuxièmement, il y a aussi une mission pour visiter le commissariat chaque semaine. Et chaque fois, il y a déplacé, aller contrôler les gardes à vue. Ou un monde qui doit être transféré soit devant le tribunal de paix, monde qui doit être transféré au parquet pour permettre à ce que la prison n'est pas remplie avec le monde. Et c'est dans ce sens-là, à travers même comme cellules, nous créer cellules qui à l'écoute des détenus et que nous avons un centre d'appel. Et centre d'appel, ça va permettre que les gens qui sont dans la prison, ou relaient, et puis ou bail doléances, ou bail information nécessaire, et puis de suivi à fait pour permettre à ce que nous travaillons sur la question de détention préventive pour l'OGA. C'est les gens qui sont dans la prison après ça? Parents, yo. Vous excusez qu'on détaille des besoins, il faut nous dire que vous rencontre avec vos substituts, nous apprenons que bien deux actes administratifs que vous jugez inappropriés au regard de l'administration pour annuler. Effectivement, dans le cadre de l'administration que nous dirigeons, il y a deux actes prédécesseurs que nous trouvons qui ne pas répondre avec question de la loi. Parce que nous, c'est légaliste. Une fois qu'un commissaire et un magistrat ont prêté serment pour agir et avec toute loyauté, toute honnêteté, nous pas trouver raison, on substitue qui n'a pas qu'à l'aide décerner un mandat, faut que nous contresignions. Nous trouvons que AXA n'est pas normal et puis nous décidons, nous lever et administrativement nous lever et aspect ça. Et nous pensons que les magistrats, automatiquement, ils ont saisi le dossier, ils ont tout. Et toute honnêteté, il y a toute loyauté pour agir suivant conscience avec la loi. Et c'est peut-être ça nous agir comme ça. Et il y a l'autre décision que nous prenons et que nous prenons encore. Nous pensons au moment opportun, automatiquement, il y a une possibilité. La presse a toujours pris l'autre décision qu'elle prend. Mais cependant, nous chita sur ça et pour nous permettre que parquet lui-même nous joigne collaboration, tout substitut et permettre à ce que nous avancions à grand pas dans le cadre et combat à mener pour question justice là. Et commissaire, nous connaissons que l'ancien commissaire gouvernement Bedford Kodim était invité et le premier ministre Ariel Henry et qui a une implication qui a parlé avec Badjo, jour assassinat président Jovenel Moïse là et jusqu'à présent pour le commissaire lui-même il a révoqué ou même on va gagner des pour inviter les PM dans tout. Bon, jusqu'à présent nous toujours été dans le cas d'application de la loi parce que la loi dit que le premier ministre c'est un fonctionnaire et un haut cadre dans l'État pour aucune raison. Pas qu'il n'y a pas qu'à inviter dans le cadre d'un dossier que des suspicions t'a gagné contre lui-même. Puisque pas qu'il y a lui-même, automatiquement un dossier dans le cabinet d'instruction, pas qu'il y a n'a pas de possibilité qu'il y ait invité le PM à venir là. C'est que le juge d'instruction peut toujours décider d'inviter le PM. Quant à nous autres, nous n'avons pas et ce choix d'inviter le PM à se présenter au parquet. C'est un gros événement passé. Et avant hier soir, dans Ravine Pétade, côté en pile d'information, et nous parlons avec parents, nous avons fait quoi 14 jeunes qui ont tourné en vidéo, mais qui ont gagné et puis des âmes de joueur pour monter les vidéos. Ça. Et puis la police est venue, et puis on s'est fait sur le métier. Il y a 14 personnes qui mourent jusqu'à présent dans le palais. Qui coûte mon pense au cabal dans le dossier ça? Jusqu'à présent, la police doit intervenir. Et intervention de la police, il y a de fait dans le cadre de la loi.
et nous pas jamais demander à ce que la police les agit de façon arbitraire pour la agir sans que les pas mettez devant la loi. Si il y a deux problèmes, DCPJ, nous gagne SDPJ qui là cap renforcer question sécurité a, les cadres vous faire des interventions. Mais seulement les gagne pour devoir dresser des rapports, faire des instructions, faire des enquêtes et déférer le dossier automatiquement au parquet pour les suites de droits et nécessaires. Merci.